Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto home déco. Donc, je vais partir de ce disque en bois que j'avais acheté dans un magasin que vous connaissez tous. Voilà, on va pas en parler pendant 10 ans. Voilà, j'ai acheté ce cercle en bois et j'ai envie de travailler dessus pour réaliser un home déco. Donc, j'ai décidé d'utiliser, vous savez que je l'ai. Alors, pour celles qui me suivent sur les réseaux, autres réseaux, j'ai fait plusieurs créas, une petite carte shaker déjà et une page avec la collection Sofol de Sokei pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'adore ces teintes, ce mélange de douceur et de peps qui sont des gages, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai eu envie de faire mon petit home déco avec la même collection. Donc, je vous remonte parce que là, du coup, je ne vous ai pas mis tous les papiers. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, parce que j'en ai pas mal utilisé. Et deux seules feuilles qui me restent entières, ce sont celles-ci, voilà, que j'ai pas encore utilisées parce que j'avais envie de faire quelque chose de bien précis avec. Donc, pour l'instant, je ne m'en suis pas servie. Mais sinon, tous les autres papiers, voilà, ils sont là. Alors, je vais vous les retourner comme ça, vous voyez aussi les autres motifs. Là, pour mon home déco, je me suis surtout servi de cette page-là. Donc, est-ce qu'on la voit dessus? Non, on voit qu'un tout petit bout. C'est la page où il y a les cartes de Project Life. Donc, vous voyez, il en reste encore quelques-unes qui ont survécu au massacre. Et en fait, je suis venue détourer dessus plein d'éléments. Voilà, je vais vous y montrer rapidement. Hop, voilà, j'ai récupéré des feuillages, le petit hérisson. J'ai récupéré aussi, il y avait une page avec des feuilles un peu sur le principe de la. Attendez, je vais vous montrer. De cette page-là, on avait plein de feuillages comme ceci dessus, sur une des cartes de Project Life. Du coup, j'ai récupéré en fait tous les feuillages qu'il y avait dessus. Plutôt que de dézinguer la grande page où il y en avait plein, j'ai utilisé ce format-là. Il y avait aussi une carte où il y avait juste un fond coloré et cette grande feuille. Donc, pareil, je suis venue la détourer. Voilà, donc je vous montre un petit peu tous les éléments que j'y suis mis y piquer. Là, par exemple, au milieu de l'arc-en-ciel, on avait donc le petit cœur, je l'ai piqué aussi. Voilà, des petites feuilles, des petites fleurs, encore des citrouilles. Hop, encore une feuille. Et alors, les citrouilles, elles viennent tout simplement de cette petite planche d'étiquettes qui, pareil, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, j'ai découpé des étiquettes et je suis venue aussi me piquer des éléments. Donc là, il y avait les citrouilles, il y avait une enveloppe aussi. Voilà l'enveloppe que j'ai choisi d'utiliser aussi. Alors après, j'ai tout détouré, je ne sais pas tout ce que je mettrai au final parce que ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, ça venait de ces petites planches d'étiquettes comme ceci. J'ai aussi utilisé la petite bande, mais il m'en reste quasiment plus. Voilà, il doit me rester juste un petit hérisson. C'était une bande fine. Voilà, dans le même genre que celle-ci où il y a du texte, ils en ont une aussi avec des images. Voilà, donc il ne me reste plus qu'un petit hérisson, mais j'y ai pris des éléments dessus. Et ensuite, j'ai aussi utilisé cette planche-ci. Donc on a du texte avec une version française d'un côté et une version française et une version anglaise. Voilà, donc moi j'ai utilisé celui-ci, le précieux souvenir, que j'ai détouré. À voir après, voilà, je vous l'ai dit ce que je vais utiliser en réel. J'ai aussi découpé sur les cartes de Project Life des petites étiquettes. Voilà, elles ne sont pas entières parce qu'elles étaient comme ça sur la créa, mais je m'en suis servie aussi. Et ensuite, alors où est-ce que je les ai mis? J'ai eu très très envie d'utiliser ce kit de chez L'Encre et l'Image que Sylvie a rentré en boutique. Parce que du coup, c'est une créa, je ne l'ai même pas dit en début pour ma DT Cybella Scrap. Elle m'avait envoyé dans mon dernier colis d'été ce petit lot de tags, voilà, avec ces étiquettes donc de chez L'Encre et l'Image. Ce n'est pas une collection récente, mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup et Sylvie l'a rentrée, j'en étais très contente et je ne les avais pas encore utilisées. Je voulais le faire pour le concours parce qu'il y avait des tons de jean et de bleu. Et puis finalement, j'ai fait d'autres créas, notamment la création du Traveler qui m'a pris pas mal de temps. Du coup, je ne les ai pas utilisées, donc j'ai décidé de m'en servir cette fois-ci. Je vais utiliser donc les tags. Et j'ai aussi utilisé des étiquettes de la collection, donc de la petite planche. Voilà, alors je les ai montées volontairement sur des papiers de la collection Sofol, voilà, pour qu'ils soient dans les tons de la collection que je vais utiliser. Pareil, voilà, d'autres petits feuillages que j'ai récupérés sur les différentes planches de découpe. Et ensuite, j'ai utilisé les produits de la collection Sofol, donc là, notamment des découpes. Donc, je vais vous montrer, hop, les dies que j'ai utilisés. Ah, il s'est sauvé, mais j'ai utilisé celui-ci, le feuillage, j'ai utilisé celui-ci, le petit feuillage aussi, le papillon et le grand feuillage. Donc c'est une planche complète où vous avez donc ce feuillage, celui-ci, celui-ci et celui-ci de chez Sokei. Et l'autre lot de die, c'est celui avec les esperluettes que vous avez pu voir dans ma création précédente. Donc je vous montre les feuillages. Pareil, je les ai fait donc dans les papiers de la collection. Voilà, pour que ça soit coordonné. Et le petit papillon. Donc j'ai fait dans trois papiers différents. Et le papillon, notamment, je l'ai découpé dans une des cartes de Project Life. Parce que c'était une couleur de papier que j'avais pas dans les papiers à motifs. C'était les mêmes motifs, mais dans des tons différents. Excusez-moi, je suis toujours enrhumée. Voilà. Et la troisième que j'ai pris donc sur cette planche, c'est le toi et moi. Alors en fait, c'était un grand mot. Et c'est ce que je trouve très sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre chaque mot. Donc c'était du temps juste pour toi et moi. Et comme moi je voulais juste un petit texte, parce que j'avais une idée un peu de présentation, je n'ai pris que le toi et moi. Je l'ai maté sur un des papiers de la collection Sofol. Et je m'en suis servi, voilà, pour fabriquer une petite étiquette.
Donc c'est ce qui est pas mal, je trouve, c'est que du coup, vous pouvez venir prendre qu'un seul morceau. Vous avez largement la place de le découper sans que ce soit moche. Voilà, donc le papier de la carte Project Life, je voulais même garder pour vous montrer. C'est dans cette carte. C'était une carte 7,5 par 10. Voilà, à peu près. J'ai découpé donc mon papillon là-dedans. Pour ce qui est du combo couleur, alors je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà les teintes sur lesquelles je veux partir. Donc on a le Dried Marigold, le Tattered Rose, le Walnut Stain, en oxyde, uniquement les oxydes, puisqu'on va travailler directement sur le bois. Donc si je veux que ça prenne bien, il ne faut pas que je prenne de la Distress Classique, le rendu ne sera pas net. Et après, j'ai pris aussi, on est dans les tons de brun, d'oranger et un peu de... Pour le Tattered Rose qui est là, hop, vous ne le voyez pas. Pour le Tattered Rose, on est sur du vieux rose, un peu rose couleur peau. Et là, j'ai donc rajouté la Vintage Photo, la Wild Honey et la Rusty Inch que j'aime beaucoup, qui fait un effet un peu rouille, qui est très beau. J'ai aussi tamponné des petites feuilles, pareil sur les papiers de la collection. Alors souvent sur des rectos avec des couleurs un peu plus unies. Et j'ai utilisé en fait la planche de chez. Alors est-ce que je l'ai mise là? Oui. La planche, une des deux planches de la collection Sofol, donc qui est celle-ci. Voilà, avec... Ah merde, s'il y a de la lumière, ça fait réverbération. Donc j'ai utilisé cette feuille-là que j'adore. Franchement, les planches, elles sont trop belles. Les feuillages sont magnifiques. Je vous l'ai déjà dit aussi quand sur une précédente créa, je crois, ou dans la présentation. L'intérêt de cette planche, c'est que vous avez le même feuillage dans les deux sens. Moi qui aime faire des pages avec un travail à l'horizontale, je trouve ça génial d'avoir du coup la feuille qui peut venir se positionner exactement à l'identique, mais des deux côtés, sans avoir besoin que d'un côté elle aille vers le bas et de l'autre vers le haut. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Ensuite, j'ai aussi utilisé cette planche-là. Voilà, je vais l'utiliser. Le petit texte, surtout le petit poème sur l'automne que j'adore. Et je me suis sorti aussi des feuillages. Donc, celle-ci, c'est une planche de l'encre et l'image. Ce n'est pas la toute dernière collection, c'est celle de cet été. Voilà, elle est sortie des planches grunge. Et là, c'est le feuillage grunge, donc avec plein de fleurs, etc., que je vais utiliser pour créer mon fond. J'ai aussi sorti celui-ci. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais pareil pour travailler mon fond. Donc, c'est le fleur en détail de Natemporel des Ateliers de Karine. Et j'ai aussi sorti, parce que je vais essayer d'en glisser quelque part dans mon fond ou dans ma déco à l'arrière, les deux planches de Happy Little Fox que j'ai utilisées aussi sur ma page précédente en Sokai, en Sofol, que j'aime beaucoup parce que du coup, comme ils sont très fins, je pense que ça va rajouter un petit peu de douceur et de délicatesse sur mon fond. Alors je vais enlever tous mes petits éléments de déco, voilà, pour vous montrer un petit peu mieux. Ce que je veux dire par travailler mon fond sur du bois. Alors, j'ai fait un test, vous me connaissez, je suis Madame Test. Je vérifie toujours avant que ce que je veux faire est possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrière du disque, j'ai testé. Voilà, je me suis fait une petite palette de couleurs, je dirais. J'ai testé toutes les couleurs qui sont ici pour voir le rendu, en fait, de ce que ça donnait. Alors, j'ai pris juste pour tester ma photo. Voilà la photo avec laquelle je vais travailler et un tag. Et je voulais voir les couleurs qui ressortaient le mieux. Du coup, par rapport à mes embellissements. J'ai choisi ce orange un peu rouille parce que je trouve qu'il matche très bien avec certains. Et vous voyez, j'ai fait un test avec la fleur d'Happy Little Fox. Même sur du bois, enfin regardez de près la finesse du rendu. J'ai été bluffée. J'avais très peur que le bois, ça boive toute l'encre et que du coup le rendu soit pas du tout joli. Et en fait, non, franchement, nickel. Alors il y a peut-être aussi la qualité des tampons, hein, ça joue certainement. Mais vous voyez, le petit papillon ici de l'encre et l'image, il ressort nickel. Alors là, vous le verrez peut-être moins, j'avais essayé une autre teinte, mais un peu, c'était l'anticlinène, mais elle est trop claire, du coup, ça ne se voit pas. Et là, ce sont les fleurs en détail. Je trouve qu'on voit vraiment bien tous les détails. Voilà, comme quoi la qualité des tampons, ça joue aussi pareil. Là, c'est un feuillage d'encre à l'image. Donc, du coup, je vais partir sur cette gamme de couleurs. Je vais créer un peu l'assemblage de ce que je veux mettre sur mon cercle de bois. Alors, dans quel sens je l'avais pris, comme ça. Et je vais ensuite venir donc travailler, positionner mes éléments un peu. Après, vous savez comme je fais, je trace et je viendrai travailler mon fond ensuite. Voilà, donc on va pouvoir commencer la réalisation à proprement parler. Maintenant que je vous ai tout montré, je crois que je vous ai tout montré hein, d'ailleurs. Pour coller, je vais utiliser ma petite colle habituelle ou la tachyglue parce que la mienne commence à être un peu vide. Et puis voilà, on attaque. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par essayer de positionner mes différents éléments pour voir ce que je peux faire avec. Alors j'étais partie sur un montage comme ça avec comme base mes tags, l'encre et l'image. Alors peut-être les superposer comme ça, je ne sais pas encore. Je vais déjà en mettre deux. Je ne sais pas si je les utiliserai tous, mais je vais déjà en mettre au moins deux. On a quelque chose comme ça avec ma photo, comme base. Ouais, non, ça ne va pas le faire pour ce que je veux faire. Je vais essayer plutôt dans ce sens-là. Et peut-être du coup de venir mettre les autres par en dessous. Sachant qu'après, il y a les embellissements de déco, donc ça cacherait un petit peu les endroits où il y en a trop. Ouais, non. Je vous avoue que j'avais l'idée en tête. Et j'ai fait l'idiote, je n'ai pas pris de photo quand...
J'avais testé pour voir si ça pouvait le faire et j'ai pas pris de photo, du coup, je pense que j'aurais peut-être dû. Hop. Ouais, quelque chose dans cet esprit-là, mais je ne sais plus du tout ce que j'avais en tête. Voilà, c'est ça quand on scrape et que du coup on a plein de choses à faire à côté, bah du coup après on zappe des éléments. Hop. Alors je vous avoue que je ne sais plus du tout comment j'étais partie et ça m'embête. Ah! Alors j'étais persuadée d'avoir fait une photo à un moment donné pour essayer de, voilà, de garder un peu en tête ce que j'avais envie de faire, mais je ne l'ai pas fait, du coup c'est pas grave, ça va bien revenir un peu l'idée de base. En fait j'avais un peu l'idée, j'ai fait un assemblage mais sans le, comment dire, sans le rondin de bois, juste comme ça pour essayer d'imaginer ce que je pourrais en faire. Et j'avais une idée qui me plaisait bien, mais du coup je ne la retrouve pas, c'est absolument pas grave, on va faire, je vais réessayer, voilà, je vais tâtonner avec vous, je vais voir ce que je peux en faire et ce qui pourrait rendre joli. L'inconvénient, c'est que j'ai plein de petites découpes. Et du coup, ça bouge au fur et à mesure que je les positionne. Hop, ça, c'est pas très grave. Alors, j'avais une toute petite feuille. Je voulais essayer de faire comme, voilà. Hop, nickel. Ensuite, on va mettre un peu de brun par ici. Voilà. La brune, je m'étais dit par en dessous pour pas que ça soit la couleur dominante parce que c'est pas la plus lumineuse du lot, je dirais. Hop. Voilà quelque chose dans ces eaux-là. Après, c'est surtout pour voir où est-ce que ça va, pour pouvoir après faire mon fond. Hop, il me reste encore un feuillage ici. Voilà, celui-ci. Et on va mettre une petite touche de clair avec celle-ci. Alors ça bouge beaucoup, c'est pas hyper pratique. Hop, je vais essayer d'y coincer un peu. Ensuite, je voulais mettre bien évidemment mon petit texte par en bas de ma photo, comme ceci. Voilà, hop. Et la petite citrouille juste à côté. Je trouve que les couleurs, voilà, se marient bien. Hop. Là, un feuillage. Ouais, si j'ai pas de bleu par en dessous, du coup, je trouve que ça ressort moins bien. Alors, est-ce que sans tout dézinguer, je vais arriver à les glisser par en dessous? Si, ça devrait le faire. Ouh! Bon, j'ai fait bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, quelque chose dans ces eaux-là, où j'aurai du coup un peu de bleu qui ressort par en dessous. Ça me plaît mieux. En fait, je trouvais que du coup, il n'y avait pas le côté jean de l'autre côté, ça m'embête un peu. Faut que j'arrive à rentrer celui-ci par en dessous sans faire tout bouger. Voilà, je veux juste en avoir un petit bout en fait en bas. Hop là, comme ça. Alors je le recouperai en hauteur, c'est ça, c'est pas gênant du tout, c'est juste pour voir le rendu. Donc là, j'ai ma grosse feuille. Je vais venir la mettre sur le côté. Je veux mettre le petit hérisson en haut. Hop. Alors j'avais mon grand feuillage. Mon grand feuillage, je vais le mettre de ce côté-là. J'ai celui-ci aussi, on va venir le glisser par en dessous. Avec celui-ci, voilà, pour apporter un peu de peps. Parce que du coup, le papier, là, il est assez clair. Aïe, ça bouge tout. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Ensuite, il me reste les petites feuilles ici. Celui-là, je ne vais peut-être pas le mettre là. Du coup, je vais peut-être essayer de glisser mes petites feuilles. Ouais, j'aime bien. Donc celui-ci, on va lui trouver une place par ici. On a mon petit papillon. Petit papillon, je vais le mettre par ici, je pense. Ouais, il ressort pas. Faut que je le mette à un endroit, voilà, où. Comme ça. Là, j'avais un autre feuillage. Je vais venir le glisser sous mon petit hérisson. Il ne faut pas qu'il soit sur la feuille carrément. Ouais, ça me plaît bien. Ensuite, j'ai mes petites étiquettes aussi qu'il faut que je vienne positionner. Alors, on crée ensemble vraiment aujourd'hui, hein, du coup, parce que j'avais l'idée de base, mais pas complète. Hop, je mettrai le petit toi et moi comme ça. Et j'avais envie de venir créer au niveau d'ici. Alors, il faudra peut-être que je décale mon bloc, un autre petit espace. Je m'étais gardé des petits embellissements comme ça.
Hop. Je vais essayer d'utiliser cela pour créer en fait un autre encart en haut pour pouvoir mettre cette grande étiquette. On va voir si ça peut le faire, si ça rend pas vilain. Hop. Bon, ça peut être pas mal. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Et le petit cœur. Voilà, pour faire appel du petit cœur ici. Ouais, si, ça me paraît pas mal. Est-ce que du coup, mon papillon, je ne le mettrai pas ici? Comme ça. Ouais, si, ça me paraît très bien. Voilà, donc je vais partir sur quelque chose comme ça au niveau de la composition. Et puis voilà, je vais juste enlever tous les éléments de déco maintenant que je les ai positionnés, que je sais où je veux les mettre. Et je vais me faire un petit marquage avec du crayon. Histoire de savoir où je vais et ce que je vais faire pour le niveau du fond. Voilà, j'ai pris mon petit crayon. Je vais essayer d'enlever toute la déco. Ah, voilà, c'est ce que je voulais pas faire. Je voulais pas faire bouger les tags. C'est un peu loupé. C'est juste en fait pour pouvoir marquer à quel endroit je vais venir travailler. Hop, j'enlève tout ça délicatement. Je veux pas les abîmer non plus. Hop. Alors elle, je vais peut-être la garder, parce que du coup, elle est très grosse, il faut que je sache où elle est. Là, on va enlever le petit papillon. Et du coup, je vais me faire un petit trait en dessous de là où est la bande. Hop, juste comme ça. Voilà, c'est surtout pour me faire un petit rappel de là où je peux positionner mes décos, enfin mes tamponnages de fond. Hop là. Et donc on va dire qu'ici ça fait comme ça. Hop, c'est par rapport à la citrouille. Alors eux, on va bien les remettre comme il faut. Voilà. Et comme je fais pour mes pas, je vais juste venir tracer où est-ce que sont mes tags. Alors je suis toujours décalée d'un centimètre à peu près pour que du coup ça rende plus joli. Hop, ici et ici, que ça soit droit. Et les autres, je vais les remettre droit aussi. Hop. Donc, je soulève dans un angle. Limite, je peux enlever ces deux-là maintenant. C'est fait. Hop. Alors, je mettrai la feuille après. Et celui-là, il s'arrête là. Ok. Et ma feuille, donc, elle va être par ici. Donc ici. Voilà. Ça me permet en fait juste de positionner très grossièrement en fait mes différents éléments. Et maintenant je vais venir travailler mon fond. Donc je vais reprendre ma petite palette de couleurs. Donc ça c'est le Vintage Photo, que je me trompe pas. Ça c'est le Walnut Stain. Ça c'est le Wild Honey, le Rusty Hinge, le Dried Marigold et le Tattered Rose. Je ne l'ai pas testé du coup aussi. Bon ben, on va pas. Faire de fausses bêtises. Ouais, il est très clair. Il va pas beaucoup beaucoup ressortir sur le fond, c'est dommage. Donc je pense que je vais peut-être pas l'utiliser celui-là. Ouais, je sais pas si vous verrez, mais du coup c'est vraiment très très laid. J'ai le rendu du tâtre de rose. Hop. Donc je vais commencer avec mes fleurs en détail. Hop, je vais venir enlever le tampon. Il est bien, bien cool. Il colle bien celui-là, il n'y a pas photo. Hop là. Pour l'enlever, c'est la croix et la bannière à chaque fois. Je vais prendre mon bloc et je vais venir ancrer seulement la partie que j'ai envie d'avoir parce que je ne veux pas tout le motif. Donc, je vais essayer de calculer mon coût pour avoir uniquement les motifs que je veux. Alors, par contre, le motif est très fin, donc je vous conseille de bien vérifier l'ancrage. Votre ancrage, parce que sinon vous risquez d'avoir d'être déçu, ça sera pas forcément comme vous l'espériez. Hop, et je vais donc venir le tamponner ici, juste à côté en fait de mon bloc d'embellissement. Alors, l'avantage c'est que je peux appuyer, même si ma table se creuse comme je suis sur le rondin de bois, ça sera pas gênant. Hop, voilà. Bon, bah, c'est nickel, ça donne vraiment l'effet que je voulais. Ça reste très léger, mais ça se voit quand même. Hop. Alors, ça a moins bien pris que de ce côté-là.
Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que de l'autre côté, ça marquait beaucoup plus. Après, ben, je préférais ce côté un peu plus vieilli, un peu plus brun. Je trouvais que ça se mariait mieux avec les tons que je voulais utiliser, mais du coup, le rendu, pensez-y si vous travaillez sur ce genre de support, que du coup, la couleur du fond va rendre plus light du coup ce que vous faites avec. Alors, je vais reprendre mes deux tags qui vont ici et ici. Hop. Pour voir ce qui va en dépasser. Ok. Très bien, nickel. Hop. Donc, je vais prendre la Dried Marigold. Hop. Alors, je vais quand même. J'ai failli faire une catastrophe et balancer mon bloc par terre. Alors, normalement, ça se casse pas, mais bon. On va éviter quand même. Je vais finir avec la fleur en détail, ça sera plus logique. Je vais la tamponner partout où je voulais la mettre. Donc là, comme on est sur le haut. Alors j'ai changé d'encre, mince. Je me trompe. J'allais prendre la Dried Marigold, mais non, c'est la Wild Honey que j'ai utilisée pour faire les fleurs. Et je voulais qu'elle soit partout faite de la même couleur. Et donc je vais venir mettre cette fois en haut, au niveau de là où il y aura ma citrouille. Hop là. Alors ça se voit, mais ça reste vraiment très léger. Ça m'embête un peu, j'aurais voulu que ça ressorte plus. Après, c'est pas très grave puisqu'il y aura d'autres couleurs qui sont plus foncées et qui, elles, vont ressortir beaucoup plus. Mais j'aurais quand même voulu plus de peps. Surtout que la couleur, enfin, vous le voyez quand je l'applique sur le tampon, elle est vraiment très vive. J'aurais aimé qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc ce que je fais là, j'ai dépassé un peu des endroits que je souhaitais ancrer, même si on ne va pas le voir sur le bois aussi précisément. Je vais quand même reprendre. Voilà. Et je vais bien, bien, bien appuyer pour que l'encre se dépose un maximum. Hop là. Nickel. Hop. Et je vais le refaire une dernière fois en utilisant la partie du haut, celle-ci, pour venir se positionner derrière mon petit tag. Voilà. Hop là. Bon, après, vous me connaissez, je vais manipuler plusieurs fois mes tags, etc., pour voir ce que ça donne et si ça dépasse. Alors là, par contre, ça ne va pas dépasser suffisamment. Donc, je réancre direct et je vais venir retravailler ma fleur plus haute. Hop là, ici. Voilà. Je voulais que ça dépasse quand même un petit peu plus de mes tags. Hop là. Je nettoie bien parce que sinon mon tampon va rester tout jaune. Hop là. Je l'enlève sur mon bloc. Le bon sens. Hop là. Donc c'est dans ce sens-là. Il est vraiment magnifique ce tampon. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais alors vraiment, il est très fin, je trouve. Les feuillages sont. Enfin, les feuilles sont vraiment très très belles. Hop. Je vais venir prendre donc la planche de l'encre sur l'image, celle-ci. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir repositionner mes quatre tags pour voir si ça me plaît et si j'ai apporté assez de cette couleur que j'avais choisie. Hop, donc ça va faire comme ça. Alors, ils sont pas en dessous, pas par en dessus. C'est du détail, mais voilà. Comme ça, je suis vraiment positionnée comme ça va l'être. Hop. Ouais, si, ça ressort quand même. Si, si, ça se voit. Après, je ne sais pas s'il y aura assez de lumière et si vous verrez bien, mais si, ça se voit. Et maintenant, je vais passer aux couleurs un petit peu plus foncées. Voilà, qui vont apporter un petit peu de. Hop, de couleur. Donc là, je vais passer à la Rusty Inge. Alors, la Rusty Inge, c'est une espèce de rouille. C'est cette couleur-là. Celle-là, là. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Alors celle-ci, par contre, elle ressort bien même sur le côté foncé parce qu'elle est beaucoup plus soutenue au niveau de la couleur. Donc on voit tout de suite la différence. Hop. Et puis je vais venir la mettre ici aussi. Alors, on va faire partir en dessous. Voilà, comme ça. Hop. Alors là, je vais prendre que le haut, j'ai pas besoin de l'ancrer en totalité. Puis je veux que le rendu soit un petit peu plus léger, donc j'ai mis moins d'encre, voilà pour le côté.
Hop là. Ça, ensuite, je vais prendre la vintage photo et je vais venir utiliser. Non, je vais pas faire tout de suite la petite branche. Je vais venir prendre ma petite planche Happy Little Fox et la grande fleur, celle-ci. Hop. Alors, je sais plus leur nom, je suis désolée, j'ai pas retenu les noms des planches. C'est dommage parce que ça aurait été peut-être pas mal de vous donner les noms. Je vous les ai montrés, mais bon, c'est. Des fois, je sais que vous aimez bien les noms. De toute façon, vous les aurez. Vous savez que Sylvie, elle vous met toujours. Avec les liens des vidéos, etc., elle vous met toujours la liste du matériel disponible sur le blog, puisqu'elle publie sur le blog de la boutique aussi après. Hop là. J'adore ces tampons. Mais regardez-moi cette finesse dans le trait. J'adore. Franchement, cette nouvelle marque, c'est un vrai mercredi. C'est pas la bonne. Hop. Je trouve que vraiment, c'est très fin. C'est vraiment très, très beau. Du coup, quand vous tamponnez, vous avez quelque chose de délicat. Tout de suite, ça vous apporte de la délicatesse et de la douceur à votre créa en un seul tamponnage, quoi. Hop. Ah, je l'ai mal repositionné. Je ne veux surtout pas l'abîmer. Hop. Voilà. Hop, alors il me faudrait un autre ton de brun. Est-ce que celui-ci, ça pourrait le faire? Je suis en train de me dire que celle-là, ça pourrait apporter un peu de quelque chose. Je vais tester en fait de l'autre côté pour voir ce que ça donne. L'Agde Mahogany. Ce n'est pas une couleur que j'utilise souvent, mais je trouve que peut-être ça pourrait apporter un petit peu de. Un petit quelque chose à la créa. Hop, je vais tester sur mon petit feuillage le dernier que je voulais mettre. Voir comment ça rend. Moi, si, ça va très bien avec. On apporte un peu cette touche un peu rouge violacée qu'on peut retrouver sur les feuillages en automne. Hop. Voilà. Je veux pas que ça prenne le dessus non plus. Hop. Qui va me permettre de venir. Alors là, je vais enlever l'encre sur l'embout. Je veux seulement avoir après la citrouille le feuillage. Et je vais le mettre plus par en bas d'ici. Hop là. Voilà. Et pour terminer, je vais venir tamponner mon petit texte. Hop, le petit texte du poème. Je pense que je vais m'arrêter là pour les feuillages. Je vais regarder ce que ça donne tout de suite. Hop, alors. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Hop. Je vais glisser cela par-dessus, les repositionner. Ouais, ça me paraît très bien. Là, j'ai ma grosse feuille. Du coup, je trouve qu'elle ressort mieux la grosse feuille avec toutes ces couleurs un peu plus automnales autour. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous savez que je rajoute toujours un petit peu des choses au fur et à mesure. Là, notamment, il me manque quelque chose. Donc, je pense que je vais venir prendre un autre feuillage. Hop, celui-ci. Et je vais prendre un orange beaucoup plus vif. Je vais le tester d'abord à l'arrière parce que je ne veux pas que ça fasse moche. Alors, comment je vais faire? Hop, je pose le pack. Je vais tester la Carrot Pumpkin. Oh, c'est vraiment flashy. Ouais, non, ça, celle-là, elle est un peu trop flashy. Ça ne va pas du tout aller avec les couleurs. Alors, ma lingette, elle est mortifiée. Je vais en prendre une autre. Parce que j'arrive pas à nettoyer comme il faut. Il me faudrait un autre orange. Je vais tester avec le Spice Marmalade. Il est un peu moins vif quand même. Mais il est bien orangé. J'ai envie de vraiment une touche d'orange, du vrai orange. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, il se voit bien aussi, mais vous voyez quand même tout de suite la différence entre les deux. Hop! Je retourne au bon endroit. Je vais juste venir repositionner mes petits blocs. Voilà, comme ça. Pour voir à peu près. Donc, c'est au niveau des cercles ici. Ok. C'est noté. Hop. Alors, je veux vraiment que ça soit juste au-dessus de mon empiècement. Hop.
vais faire la même ici en dessous. Hop. Voilà. Hop là. Et je vais venir utiliser un autre feuillage de la même planche, celui-ci. Voilà. Et je vais prendre la tie-dye, qui du coup est dans les mêmes teintes aussi. Ça va peut-être pas ressortir beaucoup parce que le bois est quand même assez foncé. Ah si, on la voit bien quand même. Je vous montrerai de plus près. Hein. Je finis de tamponner, puis je vous montre de plus près. Mais si, si, on la voit quand même. Du coup, ça rend plutôt joli, je trouve. Parce qu'elle ressort, mais pas trop non plus. Ça reste... voilà. Ça ne prend pas toute la place. Hop. Du coup, j'en remets de partout, parce que... moi, j'aime bien la couleur. Hop, il faut que j'arrive à en mettre un petit peu par ici aussi. Hop. Ouais, là, l'espace est quand même un petit peu plus rempli. Je trouvais que ça faisait trop vide à des endroits. Hop. Je pense que là, on sera mieux. Ça sera plus joli visuellement que d'avoir ces gros espaces juste bois. Même si c'est très joli. Hein, mais je ne voulais pas qu'on voie que le bois. J'avais envie qu'on voie un petit peu de couleur. Voilà. Alors là, c'est un peu bas. Voilà. Après, c'est en collant que je vais pouvoir positionner vraiment à l'endroit où je veux pour que ça rende joli. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, les tamponnages. Et je vais venir avec ma dernière couleur, donc le brun très foncé, le Grund Espresso, je crois que c'est que j'ai pris. Non, le Wallenstein. Ah, j'ai le Grund Espresso qui aurait pu être pas mal aussi. Est-ce que je l'ai en... non, je crois pas que je l'ai. Par contre, j'ai le blanche corduroy qui est un brun aussi. Et j'ai bien envie de tenter de rajouter un petit peu de feuillage. Genre un feuillage comme ça de chez... ouais, je vais faire ça. Voilà, l'idée vient comme ça en regardant les encres et les couleurs. Hop, j'ai envie que ça dépasse un peu plus ici. Hop. Et un petit peu plus par ici. Hop. Et je vais même le remettre... par là. Hop. Et aussi ici. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que le trait est tellement fin, il se fond dans le reste, donc on voit pas que voilà, il va pas jusqu'au bout. Ce qui est de toute façon pas très gênant en soi. Hop. Et je vais le mettre ainsi, par ici. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup mieux. Il y a plus de couleurs. On est vraiment sur une jolie palette d'automne, je trouve, avec tous ces tons de brun et d'oranger. C'est exactement ce que je voulais. Hop, je range ma petite planche. Donc c'est celle-là, la pellicule Fox que j'aurais utilisée du coup. Hop. Alors celle-ci, il faut que je remette sa protection. Hop là. Et je la range. Hop. Et maintenant, je vais prendre le petit poème. Hop. Et l'encre, j'avais dit. Donc la Walnut Stain qui est plus foncée. Et par contre, je vais l'appliquer comme je fais d'habitude quand je travaille mes fonds à la main. Enfin, c'est ce que je voulais faire. On verra si c'est pas une bêtise. Et bien dans le bon sens. Hein. Je crois que j'ai tamponné à l'envers. Super. C'est pas grave, ça se voit pas. Mais je vais essayer de faire à l'endroit quand même. Ça sera mieux. Hop. En fait, ça va me permettre d'habiller mon fond dans les endroits où il n'y a pas les feuillages. Ça va donner en fait une unité au travail de fond. Voilà. Donc, je pense que pour mon fond, je vais m'arrêter là. Il est bien rempli, bien chargé. Puis voilà, le plus important, c'est ce que je vais venir y coller dessus. Au niveau des produits que je voulais mettre en valeur, c'est pas mon fond le plus important. Mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'avec ces différentes planches, on peut vraiment créer un joli décor. Voilà, en mixant la finesse du Happy Little Fox avec le côté grunge de l'encre et l'image et la délicatesse des feuilles en détail de Karine. Voilà, on peut vraiment faire quelque chose de très joli, je trouve.
Et j'aurais bien aimé pouvoir arriver à mettre une saison autant couleur quelque part. Ou le voici l'automne, quelque chose comme ça, mais avec une couleur encore plus foncée. Mais alors, qu'est-ce que j'aurais? Ah, peut-être la Grande Expresso. Je vais tester. Ah, par contre, je vais le tâter derrière en premier pour pas faire de bêtises maintenant que j'aime bien mon fond. Ouais, il est beaucoup plus foncé. Hop. Alors. Ouais, j'adore. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose. J'aime bien. Voilà. Alors, il m'en manque un. Visuellement, ça me gêne s'il n'y en a pas par ici. Voilà. Hop, je pense que là, on est plutôt pas mal. J'aurais voulu un ton un peu rouge. Un ton dans les tons un peu plus rouge, comme il y a des feuilles qui sont très très rouges. Mais je vois pas quelle couleur j'aurais pu utiliser. Est-ce que si je prends celle-ci, la Ride Persimmon, non, ça va être trop orangé. Peut-être la Firebreak. En fait, j'aurais voulu arriver à glisser un autre texte. Alors, où est-ce que j'ai mis ma planche? Ah, là. J'avais envie de mettre ma saison préférée quelque part. Je vais le tamponner avec l'encre rouge et je vais voir si ça ressort pas trop. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge dans les papiers, je ne voudrais pas que ça fasse moche. Ouais, non, ça ne me choque pas. Par contre, il faut que je réfléchisse bien où est-ce que je vais le mettre. Bah pour que ça fasse comme un titre en fait. Peut-être par ici. Alors là, j'ai mes tags qui arrivent ici. Ici. Ouais, ici, ça peut être pas mal. Voilà. Ouais, si ça matche bien. Et je vais le remettre en haut pour équilibrer par ici. Voilà. Par contre, j'en mettrai pas 4 ou 5 comme le voici l'automne, ça ferait trop chargé. Mais je trouve que ça rend plutôt pas mal pour mon fond. Franchement, quand j'ai vu ce support bois, je me suis dit, est-ce que ça va le faire ou pas? Et ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu besoin de mettre de couche d'après. Le fait de pouvoir travailler directement dessus, c'est pas mal. Parce que la dernière fois que j'en ai fait un comme ça, de support bois, j'avais mis du gesso. Et du coup, mes encres prenaient pas beaucoup, je trouvais. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. La lumière est pas terrible, je trouve. Je vais essayer de bouger un peu ma lampe. Voilà, c'est peut-être mieux. Là, vous puissiez bien voir le travail du fond. Et le rouge, finalement, je trouve qu'ils se font bien dans le décor. On reste, de toute façon, dans des teintes d'automne. Donc, je vais ranger tout mon bazar d'encre, etc. pour pouvoir passer à la composition et à la création de la fin de la du home déco. Alors, maintenant que notre fond est fini, on va passer à l'assemblage. Je vais essayer de les repositionner à peu près. Hop. J'étais partie un peu comme ça. Hop. Alors là, je suis pas bon. Ici, c'était. L'avantage de faire des marques, c'est que du coup, je peux me repérer un petit peu plus facilement. Et donc, ma grosse feuille, elle est par là. Ok. Voilà, on était par ici. Donc, je vais commencer par coller mes tags. Ce sera le plus logique, je pense. Hop. Alors, je vais déjà venir en coller celui-là. Alors, ma colle, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais c'est soit tout sort d'un coup, soit il n'y a rien du tout. J'ai l'impression qu'elle fige un peu à l'intérieur. Ça m'embête un peu. Parce que j'aime bien cette colle, parce que vraiment, dans le temps, elle... Non seulement ça tient bien, mais en plus, j'ai remarqué que du coup, il y avait... Hop, je vais essayer de le mettre bien droit. Je voulais que ça soit droit. Voilà. Hop. Après, il faut que je calcule par rapport à mes tamponnages que voilà, ça ne cache pas tout en positionnant. Je suis obligée de faire des bulles comme ça, sinon ça ne sort pas. Je vais prendre la petite enveloppe parce que comme elle se glisse par ici,
Il faut que je la positionne en même temps que je positionne celui qui va par-dessus. Voilà, sinon après je vais être embêtée pour le faire, pour le mettre en place. Ah, on va pas voir mon texte. Hop, j'ai enlevé l'excédent de colle qui dépasse. Voilà, et je vais venir glisser ma petite enveloppe. Voilà. Hop, comme ça, c'est fait. Et je vais positionner mes tags. Alors, je vais déjà mettre celui du dessous. Hop là. Alors, ma marque, elle est là. Je vais le mettre droit, par contre. Alors, en bas, ça s'atterrit ici. Voilà, comme ça. Et l'autre va plus haut. Alors, il y a une bande de double face. C'est juste parce que, au début, j'étais partie pour l'utiliser avant sur une autre créa. Donc, j'avais mis du... Je l'avais coupé en longueur. Je l'avais coupé ici. Ça ne se voit pas, du coup, heureusement. Mais finalement, je ne l'ai pas, je l'ai pas utilisé comme ça. Voilà. Hop. Là, on est positionné au bon endroit. Ensuite, je vais prendre ma photo pour pouvoir venir la placer, elle aussi. Hop. Hop. Donc, ensuite, je vais venir mettre ma grosse feuille, puisqu'elle va... Tous les autres éléments qui de déco vont se superposer à elle. Donc, je vais la coller en premier. Ça me permettra, voilà, de savoir où je vais. Hop. L'avantage, c'est qu'on peut décoller tout quand c'est pas encore fixé. Hop là. Voilà. Bien cacher la marque de crayon. Hop là. Là, ça me paraît pas mal. Je vais m'occuper du petit montage en haut. Donc avec les citrouilles, les petites feuilles, le petit cœur et la grande bande de papier. J'ai l'impression que je suis un peu haute du coup. Peut-être une impression. Donc je vais coller la citrouille parce que c'est l'élément central. Je l'avais positionné ici. Hop. Alors avant que ça soit sec, je vais venir glisser par en dessous mes feuillages. Hop. Voilà, comme ça. J'avais dit celui-ci. Après, si c'est pas dans l'ordre où j'avais prévu, c'est pas très grave. Du moment que les couleurs se marient ensemble, c'est pas trop gênant. Celle-ci, elle va de l'autre côté. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. On va venir glisser le petit cœur. Oups là. C'est ce que je disais, voilà les fameux fils de cette colle. Qui fait plein de petits fils. Voilà. Et donc la grande bande. Hop là. Que je vais venir essayer de centrer. Alors du coup, voilà, je vois que ça, je le décale. Hop. Voilà, donc je l'ai décalé légèrement sur ce côté-là pour qu'on voie le vive l'automne qui reste. Voilà, hop, pour la partie du haut. Ça, c'est fait. Et ensuite, pour la photo, je vais refaire ma composition. Donc déjà, mon petit hérisson, il va comme ça. Hop, ça me permet de voir où je passe la photo par la suite. Hop là. Hop. Hop, comme ça, je vais tout de suite glisser mon grand feuillage. Où il est? Hop, celui-là. Donc là, je vais venir mettre la colle, mais à côté de mon support bois, parce que je vais en foutre de partout, comme c'est fin. Hop. Alors je regarde que j'ai pas fait, alors si ça fait plein de fils, voilà. Qu'à chaque fois je m'embête un peu, mais je vais enlever tous ces fils parce que c'est pas joli. Hop, un petit sopalin pour m'essuyer les mains. Et je vais venir le glisser par en dessous. Voilà, comme ça. Hop. Et après, ce que je fais, c'est que je fais ça, ça enlève en fait la colle qu'il peut y avoir entre les feuilles. Et je vais prendre l'autre petit feuillage qui se glisse par en dessous. Où est-ce qu'il est ? Hop, c'est celui-là. Hop.
un petit peu de colle qui dépasse. Hop. Et j'avais dit que je le mettais comme ça, je crois. Voilà, impec. Hop, je plaque bien mon petit hérisson. Je positionne ma photo. Hop, et je vais venir. Donc, ramener tous mes petits éléments de déco. Ça sera plus simple de les avoir tous à portée de main pour faire ma composition. Hop. Voilà, donc celui-ci, il va sur l'enveloppe. Donc, je vais venir le coller direct, puisque de toute façon, de ce côté-là, il n'y a rien d'autre. Je me dis que ça aurait pu être sympa d'y rajouter une petite feuille par en dessous, par exemple. Est-ce que j'aurais une petite feuille que je puisse venir découper quelque part? Alors, on est sur des tons roses. Alors, je voulais pas user mon papier comme ça, mais peut-être que je peux en piquer une petite. Petite. Celle-là, par exemple, au niveau de la taille, ça serait pas mal. Avec celle-là. Là, juste comme ça, juste tout sur le même côté. Après, il me restera quand même une grande partie du papier à utiliser. Hop. Alors, je la détoure hors caméra, ça ira plus. Alors, j'ai détouré rapidement hors caméra deux petits feuillages, donc de la page. Je vais venir les positionner en dessous pour voir ce que ça donne. Peut-être pas de ce côté-là. Peut-être plus comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, je l'encolle. Pareil pour l'autre. Et je vais remettre un petit peu de colle sur mon étiquette, parce que comme je l'ai décollé, ça s'est un peu arraché. Hop et hop. Et je vais venir les positionner. Comme ceci. Hop. Voilà. Ouais, je trouve que ça ressort mieux. Ça faisait trop vide, du coup, avec juste l'étiquette. Hop, je vais jeter les petites chutes de papier à la poubelle. Voilà. Je vais essayer de bien me centrer, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas toujours dans le champ. J'ai pas collé le petit papillon. Du coup, finalement, c'est bien d'avoir décalé un peu, comme je vais venir y mettre le papillon. Il ressortira mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier un peu ses ailes pour lui donner du relief. Donc, ce que je fais, c'est que je plie au milieu, là, à peu près. Hop, et puis je plie au niveau du corps. Pour lui donner un petit peu de volume. Hop. Voilà, comme ça. Je ne le touche pas pour qu'il sèche et qu'il tienne. Ensuite, je vais venir commencer ma compo de ce côté-là. Voir où est-ce que ça tombe. Ok. Donc, le cœur, il va aller là. La photo doit être ici. Hop. En fait, je trouve que c'est plus pratique voilà, de faire au fur et à mesure. Quitte à décaler un petit peu ce que j'avais prévu à l'origine, mais... Comme ça, je verrai bien où j'en suis. Je vais venir coller celle-là parce qu'elle va par en dessous les autres. En dessous des autres, par en dessous des autres. C'est pas très français, je crois. Je trouve. Hop, je décale bien la photo qu'elle soit à sa place. Voilà, comme ceci. Je voulais qu'on voie quand même le petit œillet. Je vais positionner le love. Alors, je peux pas parce que j'ai pas collé la photo. Ouais, il ira là. C'est bon, nickel. Donc ensuite, je vais venir prendre les petites feuilles qui vont de l'autre côté. Côté de la grosse feuille rose, hop, et ouais la deuxième, hop. Donc c'est pareil, hein, c'est des chutes en fait des cartes de Project Life que j'ai utilisé tout simplement pour faire ça. Hop, et je vais les superposer l'une à l'autre. Je les rebougerai après si ça me plaît pas. Hop. Alors on voit pas assez la marron. Je vais décaler un petit peu. Je remets la photo à la bonne place. Voilà. Hop. Et je l'ai fait glisser tout simplement. On a un petit fil qui se balade. Ah là là, cette colle. Elle colle super bien, mais alors qu'est-ce que c'est pénible ces morceaux de fil qui se baladent. Je ne sais pas si vous le voyez d'aussi long avec la caméra, mais alors j'avais un petit fil qui se promenait, ça faisait vraiment pas joli. Voilà. On est à la bonne place. Hop, je tourne un petit peu pour être dans l'axe, ça me paraît pas mal. Ensuite, donc, il faut que je calcule vis-à-vis de ma citrouille qui va se trouver par là. Est-ce que je vois mes feuilles? Peut-être les décaler un tout petit peu. Voilà. Là, on est bien. J'y positionne juste, en fait, c'est pour voir à quelle
à quelle distance je dois mettre mes autres feuillages. Donc je vais venir prendre celui-ci qui va en dessous aussi. Hop. Et je vais venir le glisser. Alors, il allait par ici. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là pour que du coup, le temps que je colle tout, il n'y en ait pas la moitié qui est déjà séchée, que je puisse plus les bouger. Hop. Alors celui-là, il allait là. Et après, on a la toute petite feuille assortie qui va lier avec la grosse feuille du dessus. Hop, comme ça. Ouais, nickel. Ensuite, on a celle-là qui, elle, va par en dessous aussi, mais plus décalée en dessous de la photo. Voilà, comme ça. Hop. Et on a aussi, où est-ce qu'elle est? Ah, mon joli trèfle. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble à un trèfle. Hop. Donc, c'est celui qui va relier toutes les feuillages entre eux. Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Et je vais venir en coller le tout petit qui va se glisser par en dessous. Et le deuxième, pareil, les deux se glissent en dessous des autres. Alors là, je vais avoir plein de fils parce que du coup, c'est plusieurs petites branches. Hop. Et lui, il va se glisser par ici. Voilà, comme ça. Hop. Et le deuxième va venir se glisser en dessous de l'autre. C'est bien, après vous pouvez le tenir par les fils. Elle m'aura fait péter les plombs, cette colle, des fois, avec les fils, c'est horrible. J'adore cette colle, mais alors, franchement, les fils, des fois, ça me gave. C'est pas pratique. Hop là, voilà, là on est pas mal. Je vais pouvoir venir coller mon texte. Ah non, je peux pas, je dis une bêtise. Ah là là, je fais une bêtise. J'ai oublié de coller ce qui va venir se mettre en dessous de la photo. Hop. Donc on a celui-ci. Alors je vais quand même prendre mon texte pour voir où est-ce qu'il atterrit. Au niveau de la hauteur. Ouais, nickel. Voilà, comme ça. Et après, on a le grand feuillage comme ceci aussi. C'est pareil, je vais m'en voir pour le coller. J'aurais pu y faire au stylo colle, j'ai pas pensé, ça aurait peut-être été plus simple. Ça m'aurait évité d'avoir des fils de partout. J'y ai pas pensé. Donc celui-là, je vais le glisser en dessous de ma petite feuille. Comme ceci. Hop. Et pareil que tout à l'heure, je vais prendre mon sopalin en fait pour. Ouh, il se plie. Comme il est très fin. Pour enlever en fait tout l'excédent de colle qui dépasse pour que ça soit pas moche. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma photo. Je vais essayer de ne pas l'attacher. Sur le temps qu'elle prenne complètement, je pourrais la bouger un tout petit peu si jamais j'ai besoin. Voilà. Essayer de bien la caler là où j'ai envie qu'elle soit. Hop, je prends le sopalin, mais de l'autre côté, pour appuyer dessus. Pas du côté où j'ai déjà essuyé de la colle, sinon je vais tacher ma photo et ça ne fera pas joli. Et je vais du coup pouvoir, si la colle n'est pas sèche, elle est presque sèche, je vais en remettre ma petite étiquette de texte, précieux moment. Hop, donc je veux qu'elle soit comme ceci, à cheval sur la photo. Hop, et à côté, j'aurai ma petite citrouille. Hop, normalement, ça devrait être bon. Ouais, au niveau de la taille, on est nickel. J'avais peur de l'avoir mal positionnée, que du coup, on ne voyait plus du tout le feuillage en dessous. Je vais pouvoir venir mettre ma petite étiquette, toi et moi. Hop, sur ma citrouille. Voilà, comme ça. Je trouve que ce jean, ça ressort vraiment bien dans les tons d'automne. C'est vraiment joli. Alors, le love, je le mets où, du coup? Là. Alors, je vais le caler pour qu'on ne voie pas le petit bout de feuille qui dépasse. Sinon, je trouve que c'est pas joli. Vu qu'on est sur un autre ton de rose, ça fait pas très beau. Hop, comme ça. Nickel. Voilà. Alors, j'avais gardé ces étiquettes-là. Est-ce qu'il y a moyen de les utiliser quelque part sans que ça soit pas beau? Non. J'aime pas.
Non, mais je pense que c'est déjà bien. J'ai mis pas mal de choses. Je pense que je vais m'arrêter là. Je veux pas que ça soit trop chargé non plus. Déjà là, j'ai mis beaucoup, beaucoup de déco. Donc voilà, je vais vous montrer chaque partie d'un petit peu plus près. Hop. Voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que ces tons de jean, ça matche vraiment, vraiment bien avec ces tons d'automne. Ça apporte un peu de ces couleurs froides, voilà, parce que le bleu jean, on n'est plus sur de la couleur froide quand même. Je trouve que ça matche vraiment très, très bien ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!